je rêve? Ou j'ai perdu la tête? Salut à tous, c'est Tifou et Bibou. Et on se retrouve pour Outlast 2, ça faisait longtemps, pour l'épisode 5e. Et c'est parti, désolé, il m'a perturbé à parler. Le mec a l'air un peu impressionné d'atterrir là, en même temps je comprends un petit peu. Oui, parce que juste avant, on était dans une espèce de cabane planquée sous un lit, si mes souvenirs sont bons. On va pas trop traîner parce que y a des piles qui sont en train d'être utilisées actuellement. Alors attends que je me remémore. Ouais, voilà, ok. C'est moi qui reprends, alors je vous préviens, ça risque de criser. Ça risque d'être pourri. T'es méchante. La classe de musique. Y'a pas de la lumière ? Si. Y'a pas un truc écrit sur le tableau ? Si. Ah bah si, voilà, ça va le traduire, ça va être bien ça. Je suis désolé de devoir faire ça. Ah bah. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolé, Jessica. C'est la gamine avec qui il était à l'école? Ouais, avec sa femme actuelle, femme je crois. Actuelle, ouais. Femme actuelle. C'est pas une pub, hein. Je viens de capter ce que je viens de dire. Jessica? Eline? Quand nous étions... La classe de musique? Je suis de retour en quatrième. Ça pourrait pas aller plus mal. Bon, moi, j'aimerais bien retourner en quatrième. Tu comprends pas le rapport encore, pour l'instant. Pourquoi ils utilisent ces flashbacks comme ça? C'est bizarre. C'est la meuf qui tue, c'est... Je sais pas, je vois pas le lien, en fait, entre les flashbacks et ce qui se passe là où il est, à moins que ce soit ça... Regarde à droite. Oui, mais j'ai peur. C'est glauque, une école vide. Une école tout court, c'est glauque. On se croirait dans Teen Wolf, dans les passages du lycée. Bon, on va aller faire. Je suis cachée. Il y a quelqu'un. Moi, j'y vais rien à foutre, j'ai même pas peur. Ça vient en courant. Même pas peur. Bien sûr. Bon, si j'avoue, je suis un peu flippée, il se passe rien derrière moi. J'ai peur, tu sais, quand je me retourne, c'est de découvrir quelque chose. Ah, il y a du sang. Okay. Tu sais qu'il y a eu ces règles. Je t'avais dit de mettre un tampon. Ceci n'est pas une pub pour les tampons. Non, sinon j'aurais dit Max. Contact. C'était pour. Ouais, j'avoue, mais quand on stresse, on dit n'importe quoi, ça passe bien. Ça permet d'oublier qu'on stresse. Je suis sûre que toutes les portes sont fermées et qu'il va falloir quitter l'école. Puis ce grincement là, c'est énervant. Voilà, je commence encore à perdre un peu pied là. J'ai cru voir la lumière, mais je suis pas sûre. En fait. Par contre, être dehors comme ça là, c'est pas cool. C'est pour que tu pries. Sinon, ça serait pas drôle. Bah non, t'as bien un con qui va te courir après là, non? Oui, bah moi je vais pas courir, je vais la faire. C'est comme dans le 1 avec Gros Cochon. Arrête, m'en parle pas. Là, j'ai la manette et la fibre. Je pouvais pas choisir un meilleur con pour faire sa sortie là. Ah bah merci. Fermer sur ta gueule. Ah non, tu vas t'écrouler. On va lui faire tourner. Ah oui, je sais pas qu'est-ce qui est réel en fait. Bah moi, à mon avis, je pense que ça, ce qui se passe là, c'est réel, mais à l'école, c'est juste des flashbacks. J'ai mal au c'est vous, pas vrai? L'étranger? L'œil de Mlotte, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Enfin, quelqu'un qui a l'air à peu près normal. Eh ben, ils le feront s'ils vous trouvent ici. Venez. Qui êtes-vous? Je m'appelle Ethan. Je veux dire,
Êtes-vous l'un d'eux? Dans quel camp êtes-vous? Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. J'en ai trop vu pour garder la foi. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein. J'ai l'impression d'être bourré, c'est horrible. J'ai mal aux yeux. Les hérétiques. J'ai rien dit quand ma femme a eu la gale. On a dû la chasser. Heureusement que c'est pas en VR, j'ai envie de J'ai rien dit quand Note s'est couché sur ma petite Annalie. Elle a à peine 15 ans. Ah, je suis désolé. Mais quand il a vu mon petit-fils, le bébé qu'il a planté dans le ventre de ma fille, qui devait être l'antéchrist, j'ai dû l'éventrer et tuer l'enfant. Ah, c'est mieux. Lui donner une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Vous avez peut-être déjà remarqué. Jinto. Quoi? Votre fille. Elle était enceinte de 8 mois. Des cheveux blonds coupés courts. Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vue? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie. Monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle va bien. Oh. Dieu merci. Oh, Dieu merci. Et que Dieu vous bénisse. Venez, vous feriez mieux d'entrer. Ah! Oh, oh, oh là. Vous êtes vraiment fendu la tête, enfin vrai. Non, ça va aller. J'ai un... Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Reposez-vous et prenez des forces. Ethan va s'occuper de vous. Oui, c'est ça. C'est comme moi. Tant que je fais pas trop de trucs bizarres. Attends, des piles déjà. Ah non. C'est pas un bandage. J'aurais préféré que ce soit des piles, tu vois. Bon, bah, dormir, hein. Demain, il fera jour. Enfin, peut-être. Demain, ça sera un autre jour. S'il te plaît, Blake. Où es-tu? Il se tape la vie encore. Il va se retrouver dans l'école. Nous sommes pas seuls. Je peux pas bouger, je peux rien faire. Il arrive. Je ne cache rien. La vertu ne peut pas passer dans le sang par les reins, mais par le sang de ton cœur. Je connais bien l'évangile de papa. Je l'ai copié 100 fois. Si je savais où était l'étranger... Le prophète n'a pas besoin de 3 pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Je peux pas sortir. Dieu va le quitter. Je vous conseillerais d'éviter de sortir. De cacher même. Lorsque tu as refusé ta fille au prophète, tu as péché depuis pour le nier. Je t'en prie, laisse-moi parler à Nat. Où est l'étranger? C'est ce mensonge entre notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nat, je peux tout t'expliquer. Dieu n'écoute pas les morts. Ne bouge pas! Ça m'étonne, elle a une force. Fais pénitence! Dieu t'aime! Dieu t'aime! Hé, oh, je suis là! Ton du diable! Qui est la seule personne normale qu'on ait croisée jusqu'à présent. Elle est morte. Voilà. À part sa femme qui finira par... J'espère que t'as retrouvé ta fille. Ouais, j'espère que t'as retrouvé ta fille au ciel, c'est ça? Ah, je suis là.
peut-être avant que j'aurais dû faire ça pour venir l'aider. C'était pas mon ami. Il ne lui a rien dit. Même si... Merci. Mais il est mort. Ouais, tu crois qu'il va te répondre ? Bon, d'accord. Alors attends, on va fouiller un peu. Une pile. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a peut-être moyen de choper des trucs intéressants. T'as quoi d'autre ? 1, 2, 3, 4, t'as quoi d'autre chez toi ? Attends, je sais pas ce que tu manges, mais franchement, c'est immonde. J'ose même pas ouvrir ton frigo. De toute façon, je peux pas. Qui est bon, j'ai peur. À mon avis, il faudra aller dans les champs. Fais le tour quand même, mais. Je suis quasiment sûre. Oui. D'accord. Oh, bon, d'accord, faut aller là. Et à droite, derrière. Là. Ah ouais, non, y a rien. Je crois qu'il y avait un passage. Y a rien. Bah. J'ai pas vraiment envie d'y aller, mais bon, je pense qu'on n'a pas le choix. Ça va nous emmener où, ça ? Tiens, vas-y, va le découvrir, vu que tu poses la question. Attends, est-ce que j'ai oublié comment jouer ? Non, non. J'ai dans l'eau. Je pense. C'est quoi ce truc qui brille là ? Une boussole ou une bille ? C'est quelqu'un ? Non, c'est le drone. Attends, j'ai un bug là. Vas-y. Oh, j'ai cru que c'était quelqu'un. Des endroits, hein ? Ça va bien se passer. Et là, on peut pas, y aller. Et là, tu peux te cacher. Mais... Maman, il faut que j'aille dans l'eau. À gauche, à droite, je sais pas, on est pas là. Là, il y a un tas de cadavres qui a du béni. Qui enfante. De cette tonnelle apparaissent les enfants de l'enfer. Alléluia. Mais également la chance de notre salut. Amen. Car Dieu est grand. Et notre souffle. Je regarde la faire tomber. On va fermer sa gueule là. Oui, métallique crispant, et il voudrait pas s'arrêter aussi. Ouais, qu'est-ce que... Là derrière, c'est là où il était tout à l'heure. Serviteur de l'ennemi, verrouillez vos portes et barricadez vos fenêtres. On se fait une petite pause ici. Ouais. C'est ça que ça me fait penser, les voix en fond, comme on entend, hein, à Far Cry, les propagandes. Ouais, je pensais la même chose au moment où tu l'as dit. Puis la même voix un peu. Bon, ben, on va stopper là et puis on se retrouve prochainement pour un sixième épisode. Un prochain épisode. Ce sera on n'est pas morte avant. Ouais, on verra ça. Bon, en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous et tchuss. Tchuss.